Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est TutoCraftUniverse, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir dans le titre, je vais vous apprendre à avoir les emojis iOS sur votre PC. C'est très simple. Par exemple, tapez Google. Alors, si vous n'avez pas cette icône là, et ben vous devez l'activer dans vos paramètres. Mais normalement, ça s'active tout seul. Et si vous êtes sur Windows 7 ou 8, ça ne marchera pas. C'est que pour Windows 10. Par exemple, hop. Par exemple, je marque ce qu'il me fait. Hop, je marque Saint-Valentin, comme ça au hasard. Et là, vous voyez que j'avais une icône qui s'appelle clavier tactile. Donc, vous cliquez dessus. Voilà. Là, un clavier apparaît. Et vous voyez ce bouton. Vous cliquez dessus et là, vous avez tous les emojis iOS. Voilà. Et là, vous pouvez constater que l'emoji s'est bien mis sur votre ordinateur. Voilà. Là, vous pouvez lancer une recherche. Ça sert à rien. Parce que c'est juste un exemple. Comme quoi on peut mettre n'importe quoi, un texte puis un emoji, ou peu importe, dans le texte vous pouvez mettre par exemple que des emojis. Après vous en avez vraiment beaucoup. Voilà, vous avez les emojis de base. Donc là vous voyez qu'il s'affiche vraiment bien. Il n'y a pas voilà. Donc après pour fermer le clavier, vous cliquez sur la croix juste ici. Et là tour de main normal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est qu'elle n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu ou vert comme vous préférez, à vous abonner. C'était TutoCraftUniverse et je vous dis à la prochaine.